On se dit, oh, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. C'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur des cas, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maghribia qui attend bien sûr vos encouragements. Elle en a tant besoin, surtout en ces moments. Et abonnez-vous, surtout abonnez-vous pour rester très informé et au courant des dernières nouveautés. Oui, et ce, en toute exclusivité, bien entendu. Pour moi, je suis heureux de vous retrouver à travers cette nouvelle séquence. Mesdames et messieurs, chers amis, cette vidéo revient une énième fois sur cette Algérie décidément de ces vieux parvenus, ces vieux capots, où un ancien numéro 2 du renseignement extérieur algérien veut quitter purement et simplement son pays et s'installer ailleurs, mais pas n'importe où, non, pas n'importe où, à Paris, oui, à Paris, où il était chez sa mère patrie, oui, sa mère patrie, la France, douce France. En effet, ce colonel, un dénommé Hussein Hamid, alias Hussein Boulhia, ce célèbre officier supérieur de la direction centrale de la sécurité de l'armée, DCSA, le renseignement militaire algérien, au cours des années 90 et des débuts des années 2000, ainsi qu'ancien numéro 2 de la direction de la documentation et de la sécurité extérieure, cette fameuse DDSE, le renseignement extérieur algérien, entre 2021 et 2022. Manœuvre dans les coulisses pour préparer, oui, préparer tout doucement, en cachotterie, pleine cachotterie, préparer son départ définitif. Oui, vous entendez bien, partir définitif du territoire algérien afin de s'établir définitivement en France et plus exactement dans la capitale française, à Paris. Oui, c'est à Paris. C'est ce qu'on a appris auprès de plusieurs sources, très bien informées, et pas ailleurs. À Alger, oui, ça s'est fuité à Alger et l'information est lâchée. Ce colonel Hussein Hamid, Hussein Boulhia donc, est jusqu'à l'heure actuelle soumis à une interdiction de quitter le territoire national, certaines IQTN, et ce depuis son limogeage. Oui, il a été limogé, viré, autrement dit viré de son poste au sein de la DDSE au début du mois de mai 2022. Et il est au chômage, oui, au chômage, mais tout de même, soumis à une très très sévère enquête interne au sein des services secrets algériens tout au long de l'été 2022. Hussein Hamid, alias Hussein Boulhia, échappe miraculeusement à la case prison. Oui, ce n'est pas comme les autres. Alors que plusieurs de ses adjoints, comme le lieutenant-colonel, un certain Tariq Amirat, l'ex-chef de bureau de sécurité, pas n'importe où non plus, non, de l'ambassade d'Algérie à Paris, excusez du peu, entre 2018 et 2019, a été lui par contre incarcéré au mois d'août 2022 à la prison militaire de Blida pour des faits graves, si ce n'est très graves, relatifs à des complots contre les institutions les plus sensibles de cet état algérien, ou du moins ce qu'il en reste. Et selon de nombreuses sources, informations, eh bien ce colonel Hussein Boulhia, ou Hussein Hamid, comme on veut, a eu
a eu la vie sauve. Oui, il a eu la vie sauve grâce à un certain général, Djouadi. Djouadi, le chef de cabinet, oui, ce chef de cabinet d'un autre chef d'état-major de cette armée algérienne, qui est ce pion Saïd Chengriha. Les interventions de ce dégoulinant pion ont pu garantir une certaine immunité à ce Hussein Hamid, Hussein Boulhia donc, qui dirigeait la division de lutte contre la subversion du renseignement extérieur algérien et qui est soupçonné par des enquêteurs au sein des services secrets algériens d'avoir détourné des moyens de sa direction pour torpiller via des activistes établis à Londres et en Europe un peu partout des hauts responsables d'une certaine présidence algérienne, en tout cas qui ne contrôle rien, et du gouvernement aux commandes, ceux qui sont soi-disant aux commandes de ce pays. Et après avoir échappé à cette incarcération, eh bien Hussein Hamid, Hussein Boulhia, veut retourner à sa guise, ainsi en Europe. Lui qui détient une certaine résidence en Espagne depuis 2015, on ne sait par quel moyen il l'a obtenu. On ne sait rien. Oui, on ne sait rien. Mais l'enquête est en cours. Or, cette fois-ci, ce colonel, oui, Hussein Hamid, Hussein Boulaya, déchu, ambitionne tout simplement désormais récupérer juste son passeport, oui, son passeport, afin de se rendre directement en France pour s'installer dans ce pays, espérant ainsi refaire sa petite vie tranquille et laisser derrière lui toutes ses ambitions, oui, toutes ses ambitions, désormais perdues d'un certain leadership. Oui, il se voyait au haut de l'affiche, mais au sein de ses services, entre guillemets, et à la suite de son échec, patent dans sa conquête malheureuse du pouvoir. Oui, le pouvoir ne peut pas être détenu par quiconque et n'importe qui. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, c'est ici, sur cette belle vie, oui, belle vie, offrée de cette belle princesse algérienne aux œufs d'or, oui, aux œufs d'or, que prend fin cette séquence en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir et comme d'habitude, bien sûr. Merci, un tout grand merci pour votre fidélité en nous écoutant jusqu'au bout, au bout des séquences. Mais n'oubliez pas de nous aider mutuellement et surtout de nous soutenir en vous y abonnant en masse afin d'être informé rapidement. Mais aussi, n'hésitez surtout pas de partager au grand maximum autour de vous vos séquences vidéo. Les vidéos de votre chaîne. Votre chaîne a besoin de vous. Sans vous, elle n'existe pas. Donc faites-la connaître et surtout faites abonner tous les gens que vous connaissez. Partout où vous êtes. Oui, partout où vous êtes. Pour moi, le moment est arrivé juste pour vous dire au revoir les amis. Asdika, salam alaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. Il y a des cafés et ça, au revoir. Inch'Allah, ma salama.